Je sais pas pourquoi je prends du pain maintenant alors que ça se trouve le placement sera pas bon. Allez, on y croit, le placement sera bon, comme ça j'aurai pas bouffé du pain pour rien. Allez, bah voilà, il suffisait de demander. Hein. Hop, hop. En vrai, vaut mieux que je l'éviction, quitte à me prendre, bah, pas le debuff et à me prendre des dégâts, quoi. Nao, j'ai jamais eu pas besoin de reprendre du pain, la misère te full heal T1. Alors full heal peut-être pas, je sais pas. Moi je sais pas, moi je reprends du pain. C'est vrai que ça coûte moins cher si on... si j'ai pas à manger de pain les tentas. Je sais pas comment c'est un combat sans tout de ma vie, ça me paraît un peu... Ouais, c'est pas mon pain, c'est peut-être pour ça aussi. La stab. Ok. Mon double va se planquer, très bien. Mais mes deux tours, c'est les mêmes quoi. T'as le buff PV, elle te remet le heal avec le système de déplacement qui te heal. Ok. Bah, je ferai un test sur la prochaine. Enfin, non, il n'y aura pas de prochaine, je vois pas ce que vous racontez. Il n'y aura pas de prochaine là, on est où? Bien sûr que c'est la tonta win en fait ici. Déjà, regardez, misère, bim bam boum. Let's go. Banjo. Éviction le zozo. Alcochou. J'aime bien. Regardez son glyphe qui proc là. Est-ce qu'on peut le mettre dedans si je me dans le cul? Oh, tant pis, je me prends ça. Non, c'est trop hardcore. Oh, c'est trop chiant. En plus, le soutien stratégique n'est plus du tout sur la bonne personne. Ah, je vais mourir. Ces deux combats, un panda fait cas, j'ai trouvé ça tellement simple, une honte. Alors... Non. Bordel de merde. Je vais pas refaire le discours de la dernière fois. Si vous avez trouvé ce combat simple, il n'y a pas de souci. Voilà, vous êtes des PGM, nickel. Mais ne veniez pas dire ça ici alors que ça fait 3 semaines que je suis dessus. S'il vous plaît, respectez-moi quoi.
Moi, je trouve pas ce combat simple. Ce n'est pas un combat simple, en fait, en toute honnêteté. Un joueur qui débute le jeu, il va pas trouver ce combat simple. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des mécaniques, il y a les mécaniques des 4 cavaliers à connaître. Il y a des délocs, il y a un système de glyphes. Enfin... C'est malhonnête de dire que ce combat est simple. Ah, mais il est pas... Oh! Oh yes! Oh, reste dedans surtout, hein! Ok, maintenant ça va être une autre affaire. On va pouvoir passer au cas servitude. Et servitude... Pour l'avoir, déjà pour incrémenter son glyphe, il faut ce déclic. Tac. Pour le taper, ben faut que je me prohibe et que je reste à son cac. En vrai, là, il est bien placé. En vrai, là, il est pas trop mal placé. Hein. Faut juste que je calcule bien mes PM pour rester à son cac. Je peux encore le faire une fois. Ok. Alors effectivement, cette partie en panda, grâce à la prouille, ça simplifie grandement. De toute façon, faut que j'enlève le soutien stratégique sur Misère, là. Anthropique, c'est bien. Je sais pas si le combat est simple, mais te voir le faire me donne envie de relancer le jeu après 3 ans. Ça, c'est cool. Moi, il faut que je me barre de là parce qu'avec la prouette, du coup, je suis insoignable. Ça, c'est un peu chiant. Oh là là, ma vie est pas au beau fixe là. J'ai les PB, j'espère qu'Anthropix va GG pour moi. Prohib se tape dans le cul, je pense, hein. Je peux pas... Ça c'est chiant. Il faut qu'il soit mon cac, donc je vais m'arrêter là. Ma vie. Oh là là.
Barrons-nous! C'est juste pour changer d'état stratégique parce qu'il faut pas que je l'ai sur servitude, les tours où je peux pas me prohibe sur sa gueule. Oh là là, ma vie. J'aurais dû peut-être pas l'enchaîner comme ça et me régénérer un peu plus. Bon là, je retrouve un peu de vie. Tranquille, je pense qu'il faut que je tombe haut et que j'aille pas trop vite. Je me régène encore un peu. Ok, là ma vie est pas mal en vrai. On va pouvoir repasser sur servitude peut-être. On reste là, bien sûr. Alors son glyphe à lui, il va être dans ce secteur-là, mais je sais plus où exactement. On va changer. Hop. Et de deux. Il n'est pas encore complètement pris. C'est entre-temps une renaissance. Ah ouais, d'office pour les noobs qui laguent. Comme si tout le monde faisait ce combat maintenant. Alors, le glyphe, il est... Il faut que je le mette ici. Ok.
Je suis pas bien là. Je vais me picole. Il est implémenté, mais j'ai pas été attiré. Le glyphe est là. On va dedans, hein. Servitude, n'hésite pas, surtout, hein. À finir sur un glyphe à lui. Alors est-ce qu'il va dessus? Évidemment. Trop chiant. Refait. Survie Anthropix. Oh, j'ai peur que ce soit la fin d'Anthropix. Alors le glyphe, mais je pourrais que le mettre prochain tour. Anthropix n'est plus là, n'est plus de ce monde. Ça marche pas de le placer comme ça, j'ai l'impression. Parce qu'il met son glyphe sous mes pieds et le glyphe s'en va, c'est ça le truc. Ah! Si je m'étais mis là, il venait peut-être dedans tout seul. Dommage. Tu vois? Oh, quelle purge!
qu'elle purge. Il faut que je mette directement. La technique de la sable ne marche pas pour lui dans ce glyphe, dans ce cas-là. Et encore, j'ai pas anthropique, s'il fait disparaître potentiellement les glyphes. En vrai, on va rester dans ce coin-là jouer, hein. Lui et moi. Non, Guerre, viens pas te foutre ici! Je retente. Je retente, mais sans stab. Yes! Ok. Maintenant, guerre. Il faut qu'il puisse... Ah, il est pas encore vulnérable. On se casse. On se casse. On se régène peut-être. Alors il y a un truc de quand il y a le gros biceps. Oh, je suis dans le coin là, ça c'est chiant par contre. Je crois pas que je puisse échanger. Si c'est bon. Attendez, il faut que... Je sais plus. Guerre. Guerre, il y a une histoire de je dois me prohibe, je dois stab et je dois machin. Il y a ses armes. Ouais, mais là, j'en ai pas profité. Attendez, il faut que je... Là, c'est une question de mental. Je voulais pas être dans le petit coin, en vrai, ça me... Là, il a pas son biceps, on est d'accord? Donc, si je stab... Ok. C'est pas le moment où je commence à amener mon double tout là-haut, y'a pas une histoire de ça? Des taclés me donnent des PB. Je savais pas si je pouvais le taper là. Je sais plus trop ce que je dois faire.
Ah. Concentré là. Ok, là j'ai fait un tour qui était pas mal, je pense. Là, si je tape, je vais être pacifiste. Je vais détacler pour gagner des PB. Après, je... En vrai, je crois qu'il faut que mon dible aille un peu vers le haut. Hein. On va commencer à rapprocher le double. C'était la dernière arme là. Il a incrémenté ou pas? Des buffs, la guerre, du coup, il faut que tu ne te fasses pas taper pendant 3 tours. Bah, c'est là que c'est complexe. Là, il est incrémenté, c'est bon. Donc maintenant, ne pas se faire taper, mission. En vrai, je pense que dès que je pourrai...
Oh là là, je perds tellement de PM. Bon, mon double c'est ok de tiers. Bah c'est ce que je veux, ouais, mais j'ai besoin de la stab pour soutien stratégique. C'est bien sur lui là. Ah merde non. Bon après ça peut marcher là, peut-être qu'il peut pas me taper d'ici. Hein. Ah si. Non mais il doit pas taper, c'est pas une question de dégâts seulement, hein, je crois. Hein. Ça marche avec le shield. Ok, let's go. Où est son glyphe alors? Ici. Ici. C'est l'info-chat ? Oui, mais d'abord... pas se faire taper, mais... Est-ce que le shield... Ah mais pas se faire taper pendant 3 tours. Je suis pas en vue mais les 3 tours hein. Attendez, il faut que je survive, c'est tout. Passe. Je passe. Bordel, mais heureusement. Mais en fait, vous avez raison, c'est pété le boubou, c'est pas tapé sur les trucs. Oh là là, merci l'info chat qui carine de fou là, parce que j'étais en train de me dire, mais bon, comment il faut que je sois là au bout à l'autre de la map. Wouh, let's go! Ta-da-da-da-da. Y a plus qu'à le faire sur tous les persos. Bah, c'est bon, je l'ai fait sur tous mes persos vu que je suis monocompte. Y a pas de panne. Progrémeux, c'est le bon stream. Let's go! Attendez, la quête n'est pas finie. Mais bordel! Je suis trop contente. On est débarrassé des 4 cavaliers de l'Apocalypse. C'est quoi de panois, Amtaro? Ouais, j'ai fait un héritage surmonté. Je suis vraiment débarrassée des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Je suis débarrassée, attendez, en tout cas pour les combats de quête, parce que...
Un donjon, je sais qu'il me reste des trucs sur servitude, ça c'est sûr. Ah non, pas de rollback. Allez vous faire. À part, en vrai, servitude, c'est le dernier 4 cavaliers sur lequel il me reste des trucs. Les autres, c'est fait, quoi. Ah là là. Ah non, mais j'ai trop envie de remercier. Merci, Miss, pour m'avoir carré le pain, l'énergie. Merci, le chat, d'avoir été là aujourd'hui. Merci. Je sais pas, en vrai, celui qui me mettait vraiment la misère, c'était corruption, vous avez vu. J'ai trouvé mon T2 avec misère. Corruption, une fois qu'on a réussi à le mettre, en fait, ça se déroule, quoi. Ça se déroulait. C'était la déroulade. Voilà. C'était bon. C'était win. La prédiction, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer que je vais choisir la réponse. On réussit les 4 cavaliers aujourd'hui, la réponse est oui, c'était un parfait 50-50. Terminé la prédiction. En vrai, ce qui est chaud, c'est que le glyphe de corruption se proc assez vite. Et en même temps, on le tombe aussi assez vite. Et une fois qu'il est, entre guillemets, qu'il a atteint le palier pour être mis dans le glyphe, bah du coup, tu ne peux plus trop délogue son glyphe à ce moment-là sur lui. Donc il faut le faire avec quelqu'un d'autre. Enfin bref, c'est trop chiant, quoi. À la rigueur, Anthropix, mais... galère de soi, hein, de soi Anthropix. Il est toujours à l'autre bout, pris en sandwich entre servitude et guerre. Voilà, là, c'est fait. Je suis trop contente. Bon, attendez, on n'a pas fini la quête. On va essayer d'aller au bout de cette quête, quand même. Madame, je me suis permise de vous suivre jusqu'ici. Vous avez réussi, vous avez battu les 4 cavaliers, t'as vu, Alistairine, t'as vu, oui, je l'ai fait, I did it. Ah, je ne regrette pas d'avoir cru en vous, elle avait voté oui à la prédiction. Bientôt d'autres 12iens feront de même, je crois qu'il est temps pour moi de faire le grand voyage et d'être jugée pour mes actes. J'espère que la balance des archontes d'Externam, tiens on parlait d'archontes hier sur Diablo, me sera désavantage favorable que celle de misère. J'aurais eu l'immense privilège de vous connaître avant de m'en aller. Ce n'est pas donné à tout le monde de rencontrer un dieu oublié. Non mais ça c'est nouveau par contre. D'où je suis un dieu oublié, je sais. C'est une vraie déesse, mais... I'm your penis, I'm your fire, your desire. C'est nouveau ça dans le lore, maintenant on est des dieux oubliés, tu sais. Accepteriez-vous de m'accorder une dernière faveur? J'aimerais que vous donniez le médaillon à ma grand-mère Alistairia. Grâce à vous, une part de moi restera avec elle pour toujours. Ok, vas-y, let's go. On peut faire ça, je pense. Elle est où, Alistairia, déjà? Elle est au temple Fekka, non? C'est pas ça? Elle est à l'atelier des façonneurs. Rien à voir. On peut partir d'ici. Définitivement. Dites au revoir à cette map! Au revoir! Au revoir! Salut! Adieu! Tu ne nous manqueras pas. Let's go en fait. Tu nous manqueras pas du tout. Juste comme ça pour te dire. Est-ce que je vais... Ouais, il faut aller à Astrub, mesdames et messieurs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mis les pieds là-bas. Putain, mais vous imaginez, ça fait 3 dimanches que je passe sur ce combat et enfin! Oh là là! Je suis refaite, quoi. Quelle heure est-il? En plus, on a du temps! Non mais c'est trop bien! Je vais vous faire le giveaway. Vous avez mérité un petit giveaway. Je sais pas ce que j'ai à vous faire gagner. Attendez, je vais regarder. Un pack Muldo Neutro et des familiers élémentaires. Je vais aller vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais donner le médaillon d'abord. Qu'est-ce que je fais? Je dois m'incliner? Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Rien à voir. Je suis pas du tout sur la bonne... Ouais, on s'incline. Oh bonjour Naomi, je ne me trompe pas, j'ai entendu plusieurs fois parler de toi. Eh bien je te rassure, tu es ici pour discuter politique avec mon père? Tu voyages beaucoup, est-ce qu'on m'a dit que tu dois être au courant de tout ce qui se passe? Non, j'ai un colis, je suis la livreuse Amazon. J'ai du mal à le croire, te prendrait-on pour un collègue de Fredex? Quand j'ai parlé de voyage, je pensais à quelque chose d'un peu plus palpitant. Non mais vraiment. Je pourrais commencer la prochaine quête. Pas fini les Yocalypse? Ouais mais me dites pas qu'il y a un combat de mort comme ça encore. J'imagine que c'est parfois le cas. Tu titilles ma curiosité, aurais-tu quelque chose pour moi? Oh, il est magnifique hein! Prends le bijou, une mèche de cheveux de ma mère.
c'est mon père qui t'envoie. Je savais qu'il préparait quelque chose, mais je ne m'attendais pas à ça. Je le remercierai dès ce soir. Merci à toi d'avoir joué les livreurs, ça me touche beaucoup. Si elle savait tout ce qu'on a dû faire... Prédex ou Félix, justement, c'est le jeu de mots. Si elle savait tout ce qu'on a dû faire pour pouvoir lui livrer ce médaillon, franchement, elle serait un peu plus reconnaissante, je trouve. Me faire un bisou sur la joue. Se contrôler pour ne pas rougir. Ah ouais, la caméra a des... Ah oui. Kyo ! Ouais, parfois, il faut la... il faut l'appeler. Kyo ! Elle s'appelle Kyo comme... Je veux juste une dernière danse. Ah, pareil. Je l'ai pas connue, tu sais, ma mère. Si j'ai une famille, moi aussi, un jour, je prie pour que nous restions tous unis. Mais oui, vous aurez des enfants, c'est ce que vous voulez. Voilà, pas de soucis. J'espère les voir grandir. Le cadeau le plus important que je vais leur faire, c'est d'être toujours là pour eux. Ouais. Bon. J'ai rougi. T'as un crush dans le jeu? On n'a pas beaucoup de crush dans ce jeu. Mais je vais lui faire peur avec mon truc de baleine, là. Attendez, elle m'a fait un bisou. Je vais lui offrir des fleurs. Je rougis, mon chapeau rougit du coup. Je veux juste t'offrir ce bouquet de fleurs. Regarde ce gros ornement. J'espère que tu seras touché. Non mais c'est vrai que mon chapeau fait trop peur quand j'y pense. Ok. Vous me dites qu'après ça, il y a encore une quête. Effectivement, on n'a pas déverrouillé le succès, là. Mince, moi qui pensais qu'on était quasiment arrivé au bout. Le secret des Dofus prologue. La bête au bois dormant. La bête au bois dormant? Ah. Oh, ça va être une quête de mort encore, c'est ce que vous êtes en train de me dire. On est parti pour un dimanche supplémentaire, là, je pense. Ok, bon. Je pense que le mieux, c'est de vous faire le giveaway maintenant. Et comme ça, après, on fait tranquillement cette quête, ok? Je vais aller regarder ce que c'est parce que... On me l'a donné ou pas? Ah, mais le Muldo Nutro, c'est pas mon Muldo, justement. C'est pas ce que j'ai sur ma personne. Tu veux un spoil sur la difficulté de la quête? Non, ça ira. Le Muldo Nutro, c'est ça? Déjà, voilà, vous pouvez le voir. Qui va parfaitement avec la zone de l'éternel conflit, personnellement, je trouve, voilà. Donc vous pouvez remporter cet harnachement de Muldo et... les familiers élémentaires, donc le neutro végétal, le neutro aqueux, non, Dragomorph, c'était pour Lance Dure. Le neutro igné, le neutro volatile, on dirait des évolis d'arc. Par exemple. Celui-là, il est joli, par exemple. Par exemple, il est kikite. Avec un voile d'encre, franchement. Non, vous les avez tous. Vous aurez tous les familiers que je viens de vous présenter là et vous aurez l'harnachement Muldo. Voilà. Ok, pour ce faire. Moubot. Comme d'hab. Oh, je suis trop contente. Au moins, j'ai l'impression d'avancer, tu vois. Quand bien même il nous reste une quête derrière, quand même, on n'est pas au bout de nos peines. Comment ça, il y a le rechercher sur la map? Ah oui, bof. Ouais. On l'a déjà, quoi. Il est super chiant à trouver. Bah, n'hésite pas, serveur... Il y a des gens qui sont peut-être en train d'arriver, quoi, du coup, mais... Ok. Vous savez comment ça se passe. Tout le monde a une chance de gagner. Et les subs ont 5 fois plus de chances de gagner, comme d'habitude. Je vais créer le giveaway et je vais vous mettre... Oh, ou la gagnante, d'ailleurs, est... Fenrir, mais non. Incroyable. Fenrir, si tu peux... Attends. Papoter dans le chat.
Que je te chuchote le code. Je peux plus vous lire. Ah bah yes. Pratique. Ah, le voilà! Voilà le petit code! Assis dans ton espace de loterie, d'accord? Ouk. Bravo! Bon, pas d'inquiétude si vous n'avez pas eu de chance sur ce truc. Quand je fais gagner un truc pour, en tout cas la partie en Kama, quand je fais gagner un code en Kama en live, vous avez une chance de supplémentaire de gagner également sur Twitter. D'ailleurs, donc je vais pas le faire aujourd'hui parce que je dois déjà clôturer le précédent sur Twitter. Je vous le remontre parce que j'en ai parlé tout à l'heure, mais bon, c'est l'occasion en vrai. Sur Twitter actuellement, il y a le pack Forge Lance, voilà. Et je vous ferai le tirage au sort dans la journée. Donc j'ai initié une nouvelle façon de procéder au giveaway Twitter. C'est-à-dire que j'essaye d'endiguer les bots. Les bots RT follow, etc. Je fais un tri. Donc je demande le RT follow traditionnel. Et en commentaire, je vous demande de partager un truc généralement en lien avec le jeu. Là, c'est votre île préférée sur Dofus. Donc je ferai mon tri dans les commentaires, évidemment. Voilà. Et tu vois ? Je vois ça et je fais ah, bah ça c'est un bot concours, tu vois. Et hop, nickel, pour laisser de la place aux gens qui savent lire. Ça permet de faire un tri vraiment qualitatif en vrai. Ça c'est pas des gens qui n'ont pas lu le concours. C'est des gens qui ont... Est-ce que je viens de pas de bloquer une personne qui avait bien joué par contre? Pardon. Bah, c'est des choses qui arrivent. ouais, j'essaye d'endiguer les bots parce que vraiment, c'est terrible, quoi. C'est terrible de fou. C'est possible, je vais retourner voir dans mes trucs de sécurité. Pour voir. J'ai peut-être misclick le blocage précédent, là. Ouais, mais liste de comptes bloqués, là. Moi, j'ai une liste infinie, en vrai. Je pourrais récupérer la panneau. Oui. Ils ont changé les trucs pour aller voir les comptes bloqués. Masquer et bloquer. Gérer les comptes mots que vous avez masqués. Compte bloqué. Ah non, je crois pas, hein. Je vais regarder. Non, c'était un bot, ça. Un bot. Oui, je pars du principe que c'est un bot. C'est vrai qu'il y a le replay au pire. Ah, c'est un bot. Alors c'est peut-être lui. Il nous disait en plus j'ai enfin fini Hades, trop bien. Ah. Peut-être plus que deux chances que ce soit un vrai joueur. Non, même pas. Donc c'est bloqué, moi j'en ai rien à foutre. Hop, voilà. Non, j'ai rien misclick dans la fin, c'était que des bots. Ou des gens qui savent pas lire, mais du coup, bah tant pis, vous êtes bloqué aussi, hein, malheureusement. Malheureusement, vous serez bloqué, voilà. Et depuis que je fais ça, ça se passe beaucoup mieux, les concours. Donc, ils veulent tous récupérer leurs habits là, j'ai compris. J'ai compris. D'abord, Miss. La cape à Miss. Ok. Ensuite, Amta. Mais... Arrête de bouger! Les trucs, ça c'est sûr, c'était à toi. Tout était à toi. J'avais pas un petit truc. Moi j'ai des trucs RDV. Ah ouais, mais elle est là ma ceinture, donc ça devait être la tienne. Ah oui, ok, Miss.
Le bouclier, c'est le mien, celui-là. Moi, j'ai un bouclier. Peut-être Chocotte. Peut-être le trophée, en vrai. Il y avait quoi d'autre, Amta? Attendez, je vais aller sur Discord, ce sera plus simple. Ah non, c'est tout? Guide. Coucou! C'est tout, Amta? Je pense, parce que je crois qu'il y avait une mantase, mais elle doit être dans le coffre de guild. Et après. Et le tourton, non, c'est moi, rien à voir. Rien à voir, non, c'est moi. Tourton, c'est toi, ouais. Moi, je sais même plus ce qu'il y a à moi de. Tous les anneaux, c'est à toi. Dans tous les cas, c'était tes anneaux. Ok. Donc, normalement, ça doit être bon. Ok, et donc, Miss, le familier. C'est ça. Le caniglope. Parfait. Nickel. Ok, j'ai plus de dettes pour personne. Oh, merci. Merci pour les quenelles. Merci. Mais avec plaisir, voyons. La capmentase, elle est là. Ok, bah c'est bon, je pense que j'ai tout. Ok. Bah let's go. Je continue ma quête du coup. Merci. Ah, bon courage. Bon courage. Courage. Voilà, les gens qui font du dofus sur le Discord le dimanche. On s'est réhabillé. Est-ce qu'on a un stuff cohérent là ou est-ce qu'on est trop bizarre? Non, on a un stuff cohérent. Est-ce qu'on a des stats cohérentes aussi? On a des stats cohérentes. Ok. Le seul truc qui va manquer de ce combat, c'est peut-être les 64 000 points de vie là. C'était peut-être le seul truc bien en vrai. Hein. Ok. La bête au bois dormant, mesdames et messieurs. On va aller voir Draconyros à Pandala. Au moins, on avance. Pandala. C'est à peu près là dans la cascade, je crois. Comment ça, action impossible? Bien sûr que si, c'est possible. J'ai même pas fait de pause mouette. J'ai pas fait de pause mouette ce matin, j'étais vraiment au taquet. Hein. Je dis ça parce qu'en vrai, j'ai un petit peu envie. Je pense que je vais faire une petite pause mouette maintenant. Comme ça, après, je suis vraiment d'attaque pour ma quête. Même s'il reste pas beaucoup de temps de live, voilà. Je reviens. Bougez pas, tout de suite.
Re. Ah. Voilà. Alors, nous allons rentrer dans cette cascade. On va aller voir Draconiroth. Donc, si vous nous rejoignez, heureux, je viens enfin de venir à bout de mon combat de mort contre les 4 cavaliers de l'Apocalypse pour cette série de quêtes de fin, prologue des Dofus en fait. Et il me reste une quête pour avoir ce succès et enfin avoir fini ce truc qui est vraiment pouf. Ça m'a coûté de l'énergie et de la santé mentale. Hein. Mais je suis très contente d'y être arrivée. Alors, Draconiroth, vas-y, balance-nous ta dernière quête. Ok, oui, la reine cornue, j'imagine qu'on parle d'Elsbeth. Attendez. Je suis pas sûre d'avoir cliqué sur le bon truc là. Je me sens pressée d'obtenir des réponses. Si je te révélais tout ce que je sais et qu'il n'a probablement rien à voir avec la vérité, crois-tu que tu serais satisfait? Bien sûr que non. Tu perdrais la raison et sombrerais dans la folie. Je ne cherche pas à me montrer cruel avec toi. Je suis simplement pragmatique. Cesse de te torturer l'esprit. Descendre 4 à 4 les marches du sommeil est le plus sûr moyen de se rompre le cou. Mais attends, je lui parle du fait que je suis un dieu oublié là ou quoi? Merci Boogie. Alisterie t'a fait part de son intime conviction. Qu'elle soit fondée sur des faits ou sur des interprétations, les conséquences ne tarderont pas. Tu n'es pas le seul acteur de ton histoire. Comment ça? Je suis bien sûr l'actrice principale, du moins. J'ose espérer. Sans aucun doute, tu n'en as pas fini avec la mère des ravageurs, ni avec les démons, et les autres immortels finiront par entrer dans la danse. Le dieu Ujinak a déjà dû flairer que quelque chose se tramait. Après tout, l'un de tes os trône en bonne place dans son temple. Quoi? Comment ça? Comment ça? La relique, l'os Ujinak, c'est un os à moi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Pourtant, j'ai l'impression qu'il ne me manque aucun attribut de ma personne. Cela laisse entendre que Zelor joue aussi un rôle dans cette pièce. Il aurait été surprenant que ce ne soit pas le cas. En attendant, concentre-toi sur ta tâche. Veille sur les Dofus, montre-toi digne de ta charge et prépare-toi. Le nouveau chapitre qui s'ouvre t'amènera plus loin que tu n'imagines. Oh, la musique qui s'arrête si brutalement au même moment. Ça me laisse dans une perplexité. Oh. Est-ce que c'est un truc qui a un rapport avec la future saison de Wakfu qui arrive? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Tu as rencontré une démon singulière capable du pire, mais qui a emprunté des chemins surprenants. Son destin a été tragique. Il en est souvent ainsi pour ceux dont la démesure ne connaît pas de limites. La reine cornue est la sœur d'Elsbeth. Ah, c'est pas les mêmes alors? Elle a échoué en Externam lorsque Rushu s'est débarrassé de sa famille. Néanmoins, contrairement à la mère des ravageurs, elle a fini par se réincarner sur le monde des 10 durant l'âge primitif. Les événements qui ont suivi sont la conséquence de mauvais choix ou d'une histoire déjà écrite. Je ne suis qu'un simple spectateur de cette divine comédie. Dieux, démons et dragons sont les acteurs, avec Terra Coriale au centre de l'intrigue. Nul doute que le gardien de son office est un rôle à jouer. Reste à trouver lequel. Feras-tu ton entrée sur scène ou resteras-tu dans les coulisses? À toi de décider. Le mieux n'est-il pas d'avoir une conversation avec l'un des protagonistes de la pièce? Tu connais le chemin qui mène au songe du dragon ocre. Il t'entendra à défaut de t'écouter. Mouais, d'accord. C'est pas clair, votre affaire, quand même. Hein. Cette histoire est pas claire du tout. Bon, direction Automite, hein, ça fait longtemps en vrai. Île d'Automaille. Automaille. Non, pas village des hôtes. Village côtier. Ici. Comment ça, aucun itinéraire trouvé? Et là? Là, ça marche. Le mec s'appelait Préservatif. Ah, c'est un féca. J'imagine que... Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas?
Moi, j'assumerai pas ce pseudo, mais j'imagine qu'un multi-compteur peut complètement se permettre ce genre d'humour. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'est pas venu à Automail. C'est fou, mais avec tous les refonds de zone qu'on a eu, je trouve presque que la zone fait vieille. Alors que clairement, c'est pas si vieux que ça, quoi, la refonte de la zone. Je veux dire, il y a probablement d'autres zones du monde qui mériteraient d'être redesignement revues avant... avant celle-ci, mais comme il y a plein de... il y a plein de visuels qui me rappellent un peu les villes, Bontabrac. Je trouve que ça fait vieillot, pas vous ? Ça fait vieille zone, quoi. Alors, je sais pas si c'est mon chat qui bug ou quoi, je... je pense que c'est ça. Clairement, on a un chat... quand je tape dans le chat, je vois rien. Ah si. Shiman, oui. C'est bon, là, je vois. Mais il y a peut-être eu tout un moment où on voyait pas. Je pense que... ou alors, vous parliez juste pas du tout. Mais ça me paraît bizarre quand même. Ok. On va voir Terra Curia, le dragon. Donc c'est le dragon gardien du Dofusocre qui a eu une histoire un petit peu malheureuse parce qu'il n'y a plus de ce monde, bien sûr. Mais on peut rentrer dans son rêve quand même. Mince. Pas par là. C'est par là. Alors c'est beau, mais je sais plus comment on y va. Voilà, je... ici peut-être. Il est pas là aujourd'hui. Ah. Ah. La langue est sortie comme ça. Ah, la démone enfermée dans l'ambre, c'est d'elle qu'on parlait en fait. Ok. Depuis peu, un songe me visite. Il ne m'appartient pas. Il porte en lui le souvenir d'une époque lointaine où les dieux trépignaient d'impatience dans l'attente d'un miracle. D'un temps où la main grise balayait tous ceux qui s'opposaient à la volonté d'Hélice. C'est qui la main grise ? Dans ce rêve, je vois une reine revenue d'entre les morts. Elle traque ses proies dans la forêt. Ma forêt! Je l'enjoins de quitter ce royaume qui n'est pas le sien. Elle éclate d'un rire cruel. Elle n'a pas peur de moi. Sa férocité n'a d'égal que sa malfaisance. Je pourrais l'affronter et probablement la vaincre. Je n'en fais rien. Son outrance rompt mon ennui et me rappelle une sauvagerie primitive que j'ai oubliée. Terra Curial n'était pas un enfant de cœur. Les saisons s'égrènent, nous n'y prenons pas garde, nous sommes immortels. Mais si le passage des années nous indiffère, un autre danger nous menace. Le regard de la grande chasseresse se tourne vers nous et il est perçant comme une flèche. Voir un éclair illuminer les yeux verts du dragon. On parle d'Artémis, là ? Ou la déesse Kra, peut-être ? Je sais pas. J'ai fait un serment que tu as honoré. Pourquoi ai-je enfermé ce mal qui ne me répugnait pas ? Je devais avoir mes raisons. Oui, la déesse Kra, tout à fait. C'est possible. Je ne m'en souviens pas. Mon âme survit ici dans mon Dofus. Le temps viendra où je renaîtrai pour frôler la cime des arbres. Je ne sais que le monde que j'ai connu est perdu à jamais. Donc on va aller au temple Kra, si j'en déduis bien. Tout à fait. Tout à fait, bah direction Ankama quoi.
comment on sort d'ici déjà? Par là. Je viens pas régulièrement, je vous avoue, rendre visite à Terra Curial, donc bon. Faut fumer un peu de champi avant d'aller lui rendre visite, c'est ça le truc. En vrai, depuis la plage de Corail, je dois pouvoir prendre un havresac. Hop. Et me conduire... ma village. Oh, du coup, il y a des points d'exclamation à cause des quêtes des Doppel, fait chier. Ça fait longtemps que j'ai pas été au temple Kra. Oh, la musique stylée. Musique un peu médiévale, taverne. Ah, attends, mais l'âge primitif, c'était avant même que la déesse Panda soit édifiée au rang de déesse, rendez-vous compte. Panda et Sakri n'étaient pas dans l'or. Enfin, en gros, elles existaient dans le background d'Ophus. Elles existaient, mais au rang de divinité mineure seulement. Donc c'était le monde des 10 et non pas le monde des 12. Je doute que tu sois au bon endroit pour cela. Tu devrais plutôt te rendre à la bibliothèque d'Amakna, au château du roi Lister. Tu pourrais peut-être négocier un accès aux archives. Mais oui, mais j'ai ouï dire que la déesse Kra était impliquée dans ces trucs. Et fait avec sa cible. Ah, voilà qui éveille ma curiosité. Dis-moi davantage. Bah, c'est le dragon primordial des forêts. Il m'a raconté ça. Les réponses que tu cherches auraient-elles un rapport avec la forêt maléfique? Es-tu au service de Bonta ou de sa vieille ennemie, Brakmar? Ah, oh, à moins que tu ne travailles pour les mercenaires d'Astrub. Brakmar. Non, on va rien dire. Peut-être elle va pas vouloir nous donner une réponse. Ouais, j'ai du mal à le croire. Qui es-tu? J'ai l'impression de t'avoir déjà vu. Oh, j'y suis. L'aventurier en quête d'un pépin de pomme d'or. Eh ben, vous avez meilleure mémoire que moi, parce que moi, clairement, j'avais oublié que j'avais interagi avec vous pour un pépin en or. Genre, vraiment. Tu t'es déjà immiscé dans les affaires de l'Hadès. Ça, oui. Ça me rappelle le combat tactique. Il y avait un combat tactique avec la déesse Kra, je m'en souviens. Elle a jugé bon de te laisser la vie, je ne vais donc pas te condamner par avance. Tu es le gardien de l'ocre, viens-tu ici en tant qu'héritier de Terra Curial? Oh, effectivement, peut-être. La grande chasseresse a fait de moi sa représentante. Néanmoins, je ne parlerai pas à sa place. Kra s'adressera directement à toi, si telle est sa volonté. Et si tu sors victorieux de l'épreuve imposée par son champion? Hein? C'est qui son champion? Rends-toi dans la cour du temple sur le champ de tir. L'un des plus grands archers du monde des 12 t'attend là-bas. Guillaume Tell? Robin des Bois. Est-ce qu'on connaît d'autres archers? Bernard Doppel? Va-t-on tirer à l'arbalète? C'est pas du tout la même... Passer l'épreuve de la balise de Kra. Mais avec qui? Gobin des Bois. C'est lui. C'est le meilleur archer, je veux rien savoir, bien sûr, c'est le Gobin des Bois, ben c'est évident. Moi, avoir nouveau modèle arc géant, toi vouloir aider pour réglage, toi prendre pomme et aller au fond. En vrai, y a pas trop de cadavres de gobelins là-bas. Il y a plus de pommes bien tranchées, c'est qu'il a l'air de savoir bien viser quand même à vue d'œil comme ça. Non mais j'ai une épreuve divine par contre sur le feu. Est-ce que vous savez où se trouve le champion de Kra? Toi, Miro, ou avoir Crotodieu? Moi, champion! Mais Crotodieu... D'accord. Toi, avoir fait bêtise? Moi, prendre carquois infini et tirer dans derrière jusqu'à toi ressembler à Presplic. Si grosse bêtise, moi, tremper flèche dans poison caniboule et pili pili. Ouf.
Non mais je veux juste parler à la déesse par contre. Bon, pas drôle, juste une balise alors. Bon, toi prêt? Attendez, je dois refaire mes lacets. Voyons voir, qu'est-ce que ça nous dit ce combat? Vous combattez une balise de crack qui a 20 000 PV et 50% de résistance dans chaque élément, sauf dans l'élément neutre où elle a 0%. Elle est à 0 PM et indéplaçable. Elle est en vue à distance pendant tout le combat. Le seul moyen de la frapper est donc en mêlée. Lorsque vous attaquez la balise en mêlée, elle vous repousse de 10 cases et se prend des dommages de votre sort. Ainsi que du 3000 dommages neutres. Moins elle a de PV, plus les dommages neutres qu'elle se prend quand vous frappez en mêlée vont diminuer. Si vous utilisez des sorts vous empêchant d'être repoussé, si vous la frappez en mêlée sans qu'elle ne puisse vous repousser, vous subirez 50% de vos PV en dommages neutres. Ne jamais être en ligne avec la balise lorsqu'elle joue son tour, sinon on est OS. Le mieux est de se placer de sorte à ce qu'on sorte à un mur lorsqu'on est repoussé. Un forge-lave, ça peut être cool. Bah du coup j'ai envie de me mettre en bistouille hein. Et j'ai un forge-lave. Pas en ligne, bon clairement il nous faut le pan dans le cul. Ivresse pour s'attirer peut-être. Ça fait quoi Varap? Ok. Ma stab va pas me servir du coup. Par contre, un bambou, si je peux m'aider d'un bloc pour pas être trop repoussé, en vrai, le bambou peut me carry, non? Je profite du fait que tu n'es pas encore énervée par ce combat pour partager ma joie de m'encler, de m'en dire raclette à midi. Ça va faire des dopous. Trop bien une raclette, ça me donne envie de manger une raclette en vrai. Ok, bon, je vais tester, on verra bien. Je suis en 11.5 par contre, parce que un petit vulbis peut-être. Bah, le placement de départ est important du coup, j'imagine. C'est un peu scandaleux ce qui vient de se passer, on va pas se mentir. Très bien.